Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Matrix. Donc aujourd'hui on va faire une pêche hivernale en rivière. Donc bon, niveau résultat, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on va voir ça ensemble. On va partir dans l'idée de faire une pêche de tout venant, donc gardon, plaquette, hybride, peut-être des brèmes. On verra tout ce qui voudra bien mordre. Donc là j'ai déjà commencé à poser un petit peu de matériel et ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer la manière dont je mouille l'amorce pour ce type de pêche avec une petite astuce. Comme ça laissera après le temps à l'amorce de gonfler, le temps de monter les lignes et de trouver les bons grammages. Et donc je vais de suite vous montrer en fait une petite astuce pour le mouillage de l'amorce qui permet d'avoir une amorce qui fume. Sur un coloris terre de somme sans utiliser de colorant. C'est une astuce qui je trouve fonctionne assez bien sur les brèmes et les plaquettes. Donc je vais vous montrer ça, c'est très très simple, hein. C'est vraiment à la portée de tout le monde, il n'y a besoin de rien acheter. À partir du moment où vous avez de l'eau et de la terre de somme, tout est parfait. Donc pour ça en fait il suffit de prendre de la terre de somme. Donc là j'ai pris environ 1 kg de terre de somme. Dans ce kilo de terre de somme je vais y incorporer environ la moitié de l'eau que j'ai besoin pour le mouillage de mon amorce. Donc je vais incorporer à peu près voilà, un bon litre d'eau. On fait une bouillie bien liquide quand même, faut pas que ça reste épais, faut que ça soit vraiment que la terre de somme soit bien diluée à l'intérieur. Et en fait je vais me servir de ce mélange là pour commencer à mouiller mon amorce. Comme ça va permettre, vous dites bien, d'avoir une amorce qui trace, en fait qui fume. Mais voilà, sans être chargé en colorant ou quoi que ce soit. Et ça permet voilà, aux poissons qui aiment bien la, entre guillemets, terre de somme, brème, plaquette, hybride et tout ça, mais de bien suivre la trace au niveau de l'amorçage. Donc ben, je prends ça. Donc là j'ai préparé 3 kg d'amorce. Donc là je suis parti sur une base. J'ai mis 1,5 kg d'amorce d'étang. 1,5 kg d'amorce gardon, j'ai rajouté 500 g d'amorce brème histoire de faire recoller un petit peu l'ensemble. J'ai rajouté 500 g de PV1 pour que ça colle un tout petit peu plus, et j'ai rajouté 500 g de chêne-vie pour que ça travaille un peu. Voilà, donc ça va faire une amorce qui va être assez collante, mais qui quand même va travailler régulièrement et qui va me permettre de voir mais en fait quand j'ai des rentrées de poissons, si l'amorce se remet à travailler, ça je vais le voir de suite en fait, hein, il va y avoir une effervescence qui va me signaler leur présence. Et là dedans je vais y ajouter environ 3,5 kg 4 kg de terre de rivière, donc terre de rivière classique, hein, assez sombre, mais bon, celle-ci n'est pas très très sombre et plus ou moins collante. Bon là elle est un petit peu sèche, mais voilà, avec le mouillage de l'amorce elle va se réhumidifier tranquillement. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais incorporer mon mélange de terre de somme et d'eau. Là je vais tout mettre d'un coup, je vais passer un coup de batteur. Alors cette fois-ci je vais faire au batteur parce que là j'ai une grosse quantité d'amorce à préparer, et en plus avec la terre voilà, ça va alourdir le mélange, ça sera plus pratique au batteur, et surtout l'eau est vraiment pas chaude, donc si je peux éviter de me geler les mains d'entrée de partie de pêche, ça m'arrange. Allez, c'est parti. Donc ça, je rincerai le reste avec la suite de l'amorce de mouillage. Hop. Et c'est parti. Donc là, on voit qu'on a déjà un mélange qui commence à bien s'humidifier, mais il manque encore pas mal d'eau. Donc là, je vais remouiller tout ça. Là, j'ai fait une grosse quantité d'amorce parce qu'on va quand même pêcher quelques heures. Je vais mettre un bon tas d'entrée, l'histoire de bien marquer la zone de pêche. Je suis tout seul, donc je vais essayer de rentrer différentes espèces de poissons. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bon tas d'entrées avec assez peu d'èches dans les boules de départ. Et après, je mettrai des boules avec beaucoup plus d'èches concentrées à l'intérieur. Et ça me permettra de pêcher très, très précis sur mes boules en utilisant la coupelle. Et du coup, comme ça, voilà, à chaque fois, je pourrais remettre mes éches exactement au même endroit sans avoir de risque
de se louper au rappel ou autre, puis après on verra s'il y a besoin de rappeler à la main, on pourra rappeler à la main, mais voilà, c'est pour ça que j'ai fait une grosse quantité d'amorce aujourd'hui. Donc là, on va remettre de l'eau. Là, il faut de l'eau pour mouiller 4 kg d'amorce, il faut de l'eau. Sans compter qu'après, il va falloir que j'y rajoute la terre qui n'est pas très humide, donc elle va elle aussi pomper un peu d'eau. Voilà, comme c'est pour ça que je m'y prends bien à l'avance, que je me garde le temps de monter les kits pour la laisser gonfler, parce que voilà, comme ça on va essayer d'avoir une bonne amorce avec une bonne consistance, qu'elle ait une bonne mécanique. Bon, là on voit qu'on peut déjà faire une boule, hein, mais bon, viens-je de la mouiller, donc elle va pomper tout ça très rapidement. Voilà, donc là je vais remouiller un tout petit peu encore. Et après je vais monter les lignes et on finira après le mouillage en incorporant la terre. Et voilà. Mais bon là vous voyez là ce petit contenant là, il doit faire au moins, je sais pas combien ça fait, mais ça doit faire au moins 2 litres et demi ou 3 litres. J'ai tout mis. Hein. Il est vide. Donc ça boit de l'eau. Voilà. Donc là je vais m'arrêter là pour l'instant, je vais monter la canne et les lignes. Et bon là on voit qu'avec une pression déjà, là si je serre fort, là je fais une boule de pétanque. Donc bon, c'est pas l'intérêt, c'est pas le but. Voilà, donc on va laisser ça travailler gentiment et je vais passer au montage des lignes. Allez, on y va. Voilà, donc là je suis en train de sonder ma première ligne. Donc là j'ai monté une boule de 2,5 g pour la pêche à passer. Bon, ça a l'air pas trop mal. Je vois que j'ai un fond remontant sur la fin de coulée. Donc là je vous remontre. C'est très important de sonder toute sa coulée, hein, pas sonder juste l'endroit où on va mettre les boules. Ouais, là je suis sur le fond pile poil. Là je suis bien. Là je suis vraiment arasé comme il faut tout ça là. Là c'est l'endroit vers là où vont être les boules. Et là on voit, hop, il y a déjà, voilà, un petit remontant d'un ou deux centimètres. Pareil, voilà, 4-5 cm de remontant, un petit peu plus. Donc voilà, je sais que sur la fin de coulée, j'ai moins de fond. J'ai environ 10 cm de moins de fond à la fin de ma coulée qu'à l'endroit où je vais amorcer. Donc voilà, c'est à garder en tête quand on fait sa coulée, hein, si on veut passer vraiment à... Si on a les poissons en fin de coulée et qu'on les prend au-dessus du fond ou sur le fond, il faudra penser à ajuster la profondeur de sa ligne pour les prendre à la hauteur d'eau qu'on veut à cet endroit-là. Voilà, donc là on voit que ça remonte à partir de l'endroit. Voilà, là c'est bon, là on est arasé, là les boules c'est là qu'elles vont être. Là on est toujours comme il faut, et là voilà, à partir de là c'est là que ça commence à avoir le premier remontant, et c'est vraiment une pente douce, hein. Donc de toute façon moi je vais essayer de rester quand même relativement sur les boules. Après bon, si c'est une pêche de petits poissons, il faudra aller voir derrière, hein, ça toujours, hein, dans la coulée, voilà, là on voit que ça remonte, et si je tends les bras, ça remonte, ouais, là, j'ai grosso modo un flotteur de moins. Par contre ce qui est bien, c'est que j'ai l'air d'avoir une coulée droite. Donc là je suis relativement sur une ligne droite, donc ça permet de ne pas avoir de variation de distance et de tenir la ligne en tenant la ligne au même endroit sur la canne, la ligne va suivre la coulée d'amorce et non pas être éloignée ou rapprochée en fonction du courant. On voit que le courant principal passe en face et ça tire plus en face. Donc là la 2,5 g, elle a l'air pas trop mal pour pêcher à passer. Je pense qu'il en faudra peut-être une plus légère. Pour que ça passe plus vite. Après on verra, je vais commencer avec celle-ci. Et si je vois que celle-ci est un peu trop lourde, je pense que je monterai une 1 gramme ou une 1,5 g pour qu'elle passe rapidement, pour pêcher avec un vaseux, pour voler les poissons au-dessus du fond. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec une 2,5 g. Je vais monter aussi une 5 grammes. Et un plat. Alors pour le plat, je pense que là ma sonde fait 20 grammes. Elle a un léger décalage,
Donc je vais peut-être monter, je vais à 20 ou 30 grammes, je vais voir. J'ai pas de flotteur de plat de 25 grammes. Donc je vais voir ça. Mais en attendant, voilà, je vais déjà monter ces premières lignes là pour commencer. Et si ça va pas, j'adapterai après. À pêcher, là, je viens d'effectuer l'amorçage. Donc pour l'amorçage, vous avez vu que j'ai amorcé quand même relativement face à moi. D'habitude, j'ai plus l'habitude d'amorcer un peu plus aval. Là, j'ai volontairement amorcé légèrement plus amont, en fait, en fonction du fond que j'ai qui remonte sur la fin. Je voudrais quand même essayer de pêcher au maximum ma couvée sur la profondeur qui est assez rectiligne, éviter d'aller trop sur le remontant. Et bon, après, vu le courant qu'il y a, je pense que l'amorce va quand même descendre un peu, donc ça va me permettre de pêcher ma poulie à balle comme il faut. Je ne vais pas avoir l'amorce trop haute. Au niveau du courant, tout à l'heure, je vous parlais de monter un 20 grammes plat, c'est pas suffisant, donc j'ai monté un 30. Donc on verra tout à l'heure si on en a besoin, on va voir un peu ce qui se passe. Là, j'ai effectué les premières poulées. Donc pour ça, du coup, en ligne la plus légère, j'ai monté donc 2,5 grammes, c'est ce que je vous présentais tout à l'heure. C'est celle qui va me servir à pêcher à passer, donc là je l'ai réglé à raser. Donc c'est une ligne que j'ai montée en nylon power micron en 14 centièmes avec un hameçon plus longue. Là j'ai mis un hameçon plus longue en numéro 18 sur 8 centièmes pour commencer. En élastique j'ai mis un slick en 1 mm et donc là une plombée, ouais, plombée massive à 40 cm de l'hameçon, un plomb en dessous et un autre plomb à 20 cm. Donc ça va me permettre d'avoir un peu de souplesse en bas et d'avoir une neige qui se présente relativement avant la ligne. Voilà, je vais pas trop la retenir, je vais juste mettre des petits à-coups en fait pour permettre à l'neige de passer en premier. Et voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par piquer un verre de base et puis on va faire la première coulée, voir si les poissons sont là ou pas. Donc là on a une température quand même qui est aux alentours de, là on a 2 degrés ce matin, donc l'eau est très froide, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ça va être un peu la surprise. Donc on va voir ça, on va piquer un beau verre de vase. Et on va attaquer la pêche tout de suite. Donc cette ligne-là, elle va dévaler quand même relativement vite le courant. Hein. Je vais vraiment passer rapidement. Alors, donc là, je suis déjà à l'endroit où j'ai enrouillé les boules. Voilà, là, il s'est mis en place, c'est le pompier qui est descendu. Voilà, là, je le laisse passer. Vous voyez, je suis déjà très vite en fin de coulée. Hop. Première touche, premier poisson. Ça, c'est plutôt bon signe. Hein. Ça n'a pas l'air très gros, mais un petit gardonneau ou peut-être une ablette. Ouais. Un petit gardonneau. Donc voilà, c'est très bien. Donc là, dans l'amorçage de départ, j'ai mis pas mal. J'ai mis une bonne poignée de fouillis et j'ai mis une poignée de dèche morte également. Deuxième poisson. Donc là j'ai peu de bannière. Peut-être j'aurais dû monter un petit peu plus long pour aller voir plus bas. Pour l'instant ça a l'air de suffire. Après mon objectif c'est pas forcément d'aller pêcher en bas de la coulée. Hein. Mon objectif c'est dans la journée. Ah, il est reparti. Mon objectif de la journée ça va être essentiellement d'essayer de prendre les plus jolis poissons. Donc là pour l'instant on prend ce qu'il y a. Hein. On va pas trier dès la deuxième poulée. C'est vrai que j'aimerais bien essayer de prendre des hybrides, qu'on appelle des gros yeux chez nous. Et pourquoi pas les brins. Voilà donc le troisième regardons, cinquième poulet. Un poisson tout joli déjà.
qui m'a fait une touche microscopique. J'ai cru que j'avais juste touché le fond. Alors, je sais pas ce que c'est. On va voir ça. Vous voyez, il est gentil parce que c'est la petite ligne 8 centième. Bon, c'est pas, ça n'a pas l'air non plus monstrueux. Hein. Bon, là, je suis en élastique, en slick à 1 mm. Il ne sort pas non plus de 10 mètres. Par contre, j'ai un petit peu d'encombrement sur la bordure. Qu'est-ce que c'est? Ah ben, ça mange bien. Une plaquette ou un hybride? Une plaquette. Oh. C'est très bas, hein. Voilà. Première jolie plaquette. Le quatrième poisson, donc super. Très bonne augure. Ouais, donc là je viens de passer la ligne en 5 grammes, de faire quelques coulées. Bah, vraiment très peu d'intérêt, hein, des fausses touches. Même en la réglant comme la 2,5, comme la ligne en 2,5 grammes, c'est pas concluant. Donc à mon avis, ça va être ou à passer ou vraiment à caler sur le fond avec la 30 grammes. On essaiera ça tout à l'heure. Par contre, entre deux gardons, petite pause chocolatine, hein, pas un pain au chocolat. Je sais pas ce qui passe par la tête des gens, on va appeler ça un pain au chocolat. Ça n'a rien à voir, un pain au chocolat, hein, c'est une baguette avec un bout de chocolat à l'intérieur. Voilà, c'est une chocolatine, faut bien se le dire, hein, c'est comme ça. Allez, on va repartir sur les gardons. Parce que eux, par contre, les rubis, ils aiment ça. On peut appeler ça un gozer rouge aussi, mais c'est un rubis. Hop. Par contre, là, ça doit faire environ 3 quarts d'heure, peut-être 50 minutes qu'on pêche. Il y a des touches, mais je pense que je vais quand même commencer à envoyer des coupelles avec un peu des sèches. Histoire d'éviter que les poissons reculent trop loin dans la coulée ou disparaissent. Histoire d'entretenir le coup régulièrement, et puis ça permettra aussi peut-être de faire rentrer quelques poissons un peu plus jolis. Donc en neige, je vais pas me compliquer la vie, hein. En neige, ça va être amorcer de base avec donc des congelés. Alors, en congelé, j'ai fait un congelé noyé, un mélange de gozer ruby et de pinky. Et puis je rajouterai toujours un peu de fouillis à l'intérieur. Apparemment, il n'y a pas d'ablette, donc vu qu'il n'y a pas d'ablette, je peux descendre du fouillis, ça, elles ne vont pas me gêner à me prendre dans tous les sens à la descente ou autre là. Voilà, les gardons sont jolis. Celui-là, il aurait peut-être mérité un petit coup d'épuisette pour l'assurer, mais bon, en 8 centièmes, ça va quoi. En concours, on les mettrait tous à l'épuisette, hein. Mais bon, c'est pas le cas. Oula, ça c'est plus solide. Ouais, sur la fin de coulée, en tout cas, ce qui est super, c'est que j'ai une coulée propre, j'ai aucun accroc dans ma coulée, et ça c'est vachement bien. C'est pas toujours le cas en rivière, hein. Il y a toujours des petites branches, des petits bouts de racines, des petites choses à droite à gauche. Alors qu'est-ce que c'est? Un beau gardon. Ah oui, un joli gardon de rivière, magnifique. Ah, décroché. Et voilà, on m'apprendra. Dommage. Magnifique gardon.
Par contre, ce gros gardon là que je viens de décrocher, j'ai eu la touche vraiment en toute fin de coulée. C'est-à-dire que lui, il ramasse vraiment les particules en fin de coulée, quoi. Il n'était pas dans le tas, celui-là. Ouais, deux coulées d'affilée sans touche, donc là... Bon, c'est rien de catastrophique, hein, mais je vais... J'avais dit que j'allais remettre des coupelles, je vais mettre maintenant. Je vais remettre deux coupelles. Deux coupelles avec des éches. Fouillis et gozer pin congelé. Alors. Le fouillis, celui-là, il n'est même pas décollé, mais honnêtement, il n'y a pas besoin, il est magnifique. Hop. Alors, une bonne pincée de mort. Puis je vais faire deux boules, deux belles boules. Hein. On va pas y aller avec le dos de la cuillère. Donc dans ce bac là, c'est l'amorce où il n'y a pas de terre. J'avais dit au début que je voulais utiliser éventuellement pour rappeler, faire travailler énormément s'il y avait besoin. A priori, vu qu'on a eu les touches dès l'amorçage, il n'y a pas besoin. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lâcher ma boule légèrement au-dessus de l'eau pour qu'elle fasse un tout petit peu de bruit, mais pas trop. Puisque bon, on a eu les touches dès la première coulée après l'amorçage, donc... Mais les poissons n'ont pas eu peur, hein, du bruit, même bien au contraire. Voilà, donc là mon tas d'amorçage, il est là. Peut-être une deuxième. Voilà, donc là, je viens de me faire voler un gros gardon par un brochet. Et là, depuis, tout a disparu. J'ai juste refait une brème depuis, en fait. Et j'en ai perdu une autre. Mais le brochet m'a fait beaucoup de mal. Il m'a fait partir tous les gardons. Donc là, je prépare la contre-attaque. Hein. On va recharger en S pour essayer de faire re-rentrer des poissons. Parce que là, c'est catastrophique, là ça fait quasiment une heure que j'ai plus de touches, alors que juste avant ce brochet j'avais plein de touches comme vous avez pu le voir, et là c'est la cata. Donc là on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de réagir en remettant pas mal d'éche. J'ai essayé de taper à la main pour rappeler du poisson, ça n'a pas fonctionné. Donc là je vais remettre des boules à la coupelle, des grosses boules pleines d'éche. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. De toute façon il faut essayer des choses, hein. Les poissons ils doivent quand même pas être bien loin, hein. Ils sont pas partis à des kilomètres. Donc là je vais mettre deux boules avec plein d'éche et de la terre pour que ça descende vraiment sur le tas, et puis une boule avec l'amorce où j'ai pas mis de terre pour que ça appelle rapidement du poisson de plus loin, parce que là ça travaille plus ni rien, il se passe vraiment plus rien. Donc là c'est le moment de réagir si on veut essayer de reconstruire quelque chose. Il reste encore un petit peu de temps de pêche, on va essayer de l'optimiser, parce que bon là c'était très bien parti, mais là monsieur à grandes dents il a un petit peu mis le bazar, comme on dit, parlant poliment.
Donc là voilà, après ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer le plat, de caler un peu le plat sur le fond pendant 5 minutes. Et après je repasserai sur les lignes à passer. Donc ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai replié ma ligne en 5 grammes, hein, parce qu'elle servait vraiment à rien. Et j'ai mis la ligne en 2,5 grammes sur le kit où il y avait la 5 grammes pour avoir l'élastique en 1,2 mm. Parce que là, je vois la brème que j'ai fait, elle m'a promené quand même vraiment. Donc bon, c'est pas le 0,2 qui va tout changer, mais ça me permettra d'avoir un peu plus de maîtrise, enfin de me faire un peu moins balader. J'ai changé le bas de ligne aussi, j'ai enlevé le bas de ligne en 8 et j'ai mis un bas de ligne en 10 avec un hameçon en 16. Donc là, c'est l'heure de recharger. Voilà, donc là, 3 boules très chargées en neige, très compactes et qui vont descendre de suite sur le coup. Et puis là, voilà, on va faire un petit break pendant 5 minutes. Pendant ce temps-là, je vais laisser pêcher le flotteur plat. Et puis on se reprend après. Voilà, donc j'ai effectué mon rappel à la coupelle, là j'ai mis trois belles boules chargées en neige. Ça a refait quelques poissons, mais vraiment un par-ci, un par-là, très très loin dans la coulée. J'arrive pas à ramener les poissons sur le tas d'amorce. Donc là je viens de mettre une rafale à la main, là j'ai mis 4 boules assez costauds à la main avec pas mal d'èches. Et la première coulée dessus, ben, je viens de refaire une touche loupé, et là on va voir un peu ce que ça donne. Donc là je pense que je vais peut-être essayer, si ça fonctionne pas aussi, de repasser, d'enlever mon bas de ligne en 10 centièmes et de repasser sur le bas de ligne initial que j'avais, c'est à dire le 18 en tige longue là en 8 centièmes, voilà, et pour essayer quoi, parce que ça fonctionnait bien comme ça. Donc là apparemment, après j'ai quand même un doute que le 10 centièmes face qu'on ait tout ou rien, j'ai quand même un gros doute, parce que l'eau est pas cristalline quand même non plus, donc voilà. Mais là la pêche s'est vraiment durcie, c'est vraiment vraiment dommage, parce que c'était super bien parti là, et puis le brochet, ben, il a tout cassé, il a vraiment tout cassé. J'ai jamais réussi à réinstaller les poissons derrière, à part deux brèmes, une qui m'aura cassé et une que j'ai réussi à sortir. Mais c'est vraiment dommage, on était sur un super rythme là d'un poisson à la coulée, et là on est revenu sur le rythme de un poisson de temps en temps. Donc là j'ai des touches que je loupe, alors ça par contre c'est pas bien. Voilà, donc on va essayer de s'appliquer un peu là, ouais. On va essayer de faire quelques poissons. Il reste 1h30 de pêche à peu près, environ. Et là, c'est très 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 compliqué par rapport au début de la pêche, quoi. On a démarré en fanfare, et en fait, au lieu de construire une pêche, on l'a déconstruite. C'est-à-dire que c'était bien au début, et c'est de pire en pire. Alors j'ai essayé différentes tenues de ligne, de la freiner un peu plus, de la laisser passer, de mettre des petits à-coups pour la relever. J'ai essayé différentes choses. Et honnêtement, il n'y a pas grand chose qui fait là. On a mis une touche de temps en temps, tout à fait en fin de coulée. Il n'y a rien de bien extraordinaire. J'essaye de quiller bien plus haut que les boules pour vraiment arriver en position bien avant, on ne sait jamais, mais ça y fait pas non plus.
C'est incroyable à quelle vitesse la pêche peut changer. Bon, après, il faut dire que un brochet sur une pêche de gardon, c'est jamais une bonne chose. Ah, un poisson. Il n'est pas gros, mais ça fait toujours plaisir. Sauf qu'il n'a pas été pris tout en fin de coulée. On peut laisser espérer un retour d'un banc. Enfin, d'un banc. Pour l'instant, c'est un banc de 1. Après un poisson pris quasiment sur les boules, ça fait plaisir. Un beau gardon, mais comme il devient rare, on va l'épuiser. Voilà, donc là, après avoir rappelé, continué à rappeler à la main et à régler un peu la ligne, là, je viens de toucher une plaque, elle est pas très contente. Donc là, je suis toujours sur le badignon de 10. Oh là là, elle monte en surface au milieu. Donc là, on va y aller gentiment. Il n'y a rien de s'énerver. Peut-être pour ça que j'avais plus trop les gardons aussi. Peut-être qu'ils avaient fait un échange poste à poste. Ouais, elle tourne. Super. Comme ça, je vais pouvoir poser la canne et déboîter gentiment. Donc là, on voit de suite que le 1 mm2 va quand même vachement mieux que le 1 mm hein, pour ce genre de poisson. Parce que le 1 mm c'était quand même très très limite. Elle monte. Voilà, donc bon, apparemment pour prendre les brèmes aujourd'hui, il fallait pêcher à passer hein, puisque c'est la troisième que je touche de la journée, ou quatrième, je sais plus, et c'est toujours là à passer. Les grosses lignes, elles valent rien. Ouais, une belle brème qui finit dans la louche. Ouais, elle fait plaisir celle-ci parce que la pêche commençait à être vraiment compliquée. Ouais, une brème qui compte. Celles-ci, elles font du bien en concours sur les pêches de gardon. Et elle est prise vraiment juste au bord. Hein. Voilà, une belle brème de l'Isle. Donc du coup, je pense que je vais rester sur ma pêche avec le rappel pas très régulier. Hein. Je fais un rappel tous les 10 minutes, un quart d'heure, je mets une boule chargée en neige. Et apparemment... ça m'a refait faire quelques gardons et là une brème, donc bon, on va pas changer, ça a déjà été compliqué d'essayer de refaire des touches, donc on va rester comme ça. Je pense qu'on va finir la partie de pêche comme ça et on va voir ce que ça donne. En tout cas, autant c'était très facile, ça s'est mis en place très vite la pêche, autant
Autant sur la fin, il faut ruser quand même. Là, je vais refaire une ou deux coulées avant de rappeler. Et bon, là, il faut tenir la ligne. Du coup, c'est des poissons que je prends au-dessus du fond. Hein. Parce que la ligne est réglée à raser. Et vu comment je la tiens, l'èche doit être au moins 15-20 cm au-dessus du fond, c'est sûr. Au moins 10-15, je pense. Peut-être 20 en fin de coulée où je suis obligé de. Où je peux plus aller plus loin, donc forcément l'èche remonte. Et le courant a légèrement forci. Ah, voilà un deuxième joli poisson dans la foulée. C'est pas l'air d'être une brème ça. Peut-être un beau gardon ou alors une petite. Peut-être une petite brème, j'ai un doute. Ouais, c'est un joli gardon. Et bien décidément. Ça fait plaisir. C'est quand même une journée intéressante parce que à force d'essayer des trucs on arrive à recréer quelques touches même si c'est pas hyper régulier. Le courant légèrement forci, ouais. Je sais pas si je l'ai déjà dit mais la ligne dérive quand même plus vite que ce matin. Surtout, ça fait trois poissons au dégorgeoir, alors que les poissons d'avant, ils l'avaient juste au bout du museau. Là, ça fait c'est des poissons qui mangent. Est-ce que c'est une question d'horaire, peut-être aussi. Des fois, bon, c'est pas une question de luminosité, parce que de toute façon, on aura été dans le pâle toute la journée, on va dire. On n'aura pas vu le soleil. Hein. C'est bouché, comme on dit. Allez, oh là là, c'est refus. Beau gardon. Ah, il n'y a pas photo. Hein. Derrière le rappel, immédiatement, ça revient. Hein. C'est, voilà, c'est ça. Bon, c'est évident, hein, une pêche de rappel, c'est pas à chaque coulée, mais presque. Hein. Mais hop. Là, aujourd'hui c'est peut-être ce qu'il aurait fallu faire. Voilà, mais là je suis encore pendu avec un brochet. Donc il y a 2 minutes j'en perds un. Je me fais couper. Et là j'en ai encore un au bout. Ça devient compliqué tous ces brochets là. On va penser à revenir avec ce qu'il faut un jour parce que apparemment il y en a. Et là, je sais pas s'il va monter comme ça. Ah si, il monte. Allez, rends-moi mon gardon. Ah. Yeah! J'ai récupéré mon gardon déjà. Bon, par contre, dans quel état le pauvre, hein. Donc voilà, la partie de pêche touche à sa fin. Donc on aura passé une bonne journée, on aura eu quand même plein de touches. Alors par moments, ça a été très dur parce qu'on a été quand même relativement attaqué par les brochets. Hein. Sur la journée, je crois que j'en ai touché quasiment une dizaine. Alors je suppose que c'est le même. Mais voilà, disons que ça a quand même mis pas mal de bazar dans la coulée. Donc au final, on aura réussi à faire une pêche de gardon assez correcte, avec 2 belles brèmes à travers. Et puis, je vais remballer un petit peu tout ce matériel, je vais vous montrer la bourriche. Et puis après, on va rentrer, parce que là, il y a la nuit qui va pas tarder
a commencé à tomber, donc voilà. Allez, je vais sortir la bruche. Donc voilà, donc fin de la journée de pêche. Donc bah, on aura touché quand même de belles brèmes et une belle boule de gardon, quoi. Je sais pas combien on a, mais on a quand même un petit peu de poisson. Fait quelques jolis gardons. Voilà, ça aurait été une journée sympa. Un peu monotone au niveau de la pêche parce que quand même c'est la même ligne qui a fonctionné toute la journée. J'ai beau essayer de monter des lignes diverses, le plat en 30 grammes il n'avait aucun intérêt, c'était trop léger. La ligne à passer en 5 grammes elle voulait rien savoir, elle a fait quelques poissons mais vraiment rien de très intéressant. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Matrix. Au revoir.